On garde les autres fibres, enfin le devant des fibres, pour ensuite faire l'abdomen. Ensuite, on met une mèche de polypropylène de couleur un peu plus sombre que des perles, lequel entre-temps on replie en arrière pour pas le fixer, et on fait le sous-corps à la longueur d'hameçon avec le polypropylène. On revient en arrière et on fixe la dernière chose, le glitter body doré qui va tenir l'imitation des carapaces, donc c'est polypropylène au-dessus. Là, on va devant et on attend. Maintenant, on enroule les trois perles jaunes pour former encore le corps de la nymphe, donc très volumineux, comme toujours, avec l'autruche qui est un matériel naturel, très très bien et pas cher. Voilà. 2, 3, c'est fini, c'est fait. Maintenant, on replie le polypropylène au-dessus, un peu à la manière comme on fait des gamards. On coupe. Hop, tout ça est cerclé par le glitter body pour donner vraiment une impression de vie à cette mouche. 2, 3 comme d'habitude. Ensuite, le hook turkey. Prenons petit segment de plume. Hop, que nous fixons en arrière, comme toujours, avec des nymphes. Hop. Le thorax. Donc, ici, du Hares Ear Plus. Donc, c'est le poil du lièvre mélangé avec du hantron qui va faire ici un thorax volumineux et en même temps plus sombre que l'abdomen. Enfin, on met des pattes avec du chicabou, donc c'est en fait rien d'autre qu'un saddle de poule qui a l'avantage des plumes d'être des plumes très très mobiles et très souples. Donc on nettoie la plume et ensuite on coupe en V dedans, hop, qui fait que la plume en fait elle se présente comme ça. Et donc on va mettre cette plume au-dessus et on va la fixer juste devant la tête et ça va nous faire des pattes. Hop, donc là, on plie maintenant sur l'angle la boîte à ailes vers devant. On fixe la plume de dindon. Hop, on forme la tête. Et c'est un des trois clés. Ou quatre ou cinq pour les inquiets. Voilà, la mouche est terminée. Une goutte de vernis sur la tête et un peu sur la plume des carapaces. Et cette mouche extrêmement prenante est faite. Et oui, il va déjà être temps de nous quitter, mais de nous quitter.